Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui les Louis François Fredji Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortuna Mazal Fritna, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions au Sérif Kilushin. Perek Dalet Mishnah Gimel, Kola Asurim Lavo Baka'al, Mutarim Lavo Zebazé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Eliezer Omer, Vada'an bevada'an mutar, vada'an besfekan, usfekan bevada'an, usfekan besfekan asur, veloen asfekot, shtuki, asufi, vekuti. On est encore en train de parler dans nos Mishnayot de avec qui peut-on se marier. On a évoqué pour le moment 10 sortes de souches, kasher, invalidées, Safek, et on avait expliqué qui peut se marier avec qui, avec même aussi les Shtuki, Bduki, et puis à présent, on va, une nouvelle Mishnah maintenant qui va nous parler de Kol Asurin Lavo Bakahal, toutes les personnes qui n'ont pas le droit de se marier avec les Bnei Israël, eh bien, Moutarin Lavo Zebazé, ils pourront se marier entre eux. Soit, on a évoqué pour le moment Dikam, en réalité, il y en a un peu plus. Vous savez qu'il y a des convertis de Ammon, de Moab, de Esav, ouais, Geramoni, Moavi, que eux, ils n'ont pas le droit. Lo yavo bikal Hashem. Lo yavo Amoni likal Hashem. Lo yavo Moavi likal Hashem. Et il y a pour le Bnei Esav, Dorevi, ils pourront venir. Il y a toutes sortes de personnes qui sont interdites de venir, de se marier. C'est-à-dire que même s'ils se convertissent, il faut bien comprendre, même s'ils vont se convertir, d'accord, ils vont se convertir, mais puisqu'ils viennent de tel peuple, ils ne peuvent pas se marier avec les Bnei Israël. Ils peuvent se marier entre eux, ou encore, ils peuvent se marier avec d'autres convertis, ou ils peuvent encore se marier aussi avec des Mavzerim. C'est ce que la Mishnah vient m'apprendre. Donc imaginez maintenant, aujourd'hui ça n'existe plus tout ça, parce que depuis qu'il y a eu Sanhériv, à l'époque du. Avant la destruction du premier Beth Amikdash, il avait déjà commencé à faire bouger tous les peuples. Il a pris les Égyptiens, il les a amenés en Perse, et les Perses les a éjectés en Espagne, et les Espagnols et les a mis en Turquie, et les Turcs les ont envoyés. D'accord, il a été mes balbel tous les homotes, bilbel et aolam, et puisqu'il a été mes balbel tout le monde, donc du coup, on ne sait pas c'est quoi un mitzri. Si la Torah nous dit que le mitzri peut venir, jusqu'à 3 générations il peut pas venir, aujourd'hui on ne sait plus c'est quoi un mitzri. D'accord, et on ne sait plus c'est quoi un mon et un moav, on ne sait pas c'est quoi un maléki aussi. Et la Mishnah, elle me dit donc, sache que toutes les personnes, malgré tout, on étudie la Mishnah, la Mishnah nous dit, sache que tout la Torah nous, ce que la Torah nous a dit, qui ne pourront pas se marier, le Yavo Bika Lachem, le Mamzer, le Yavo Bika Lachem, et même le Amoni, Moavi, le Yavo Bika Lachem, eux, ils ont le droit de se marier tous ensemble, entre eux. D'accord? On a une phrase un petit peu compliquée que Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda, il interdit, mais en réalité, il ne faut pas la lire comme ça. Il n'interdit pas. Ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Je vais vous dire avec le Barthénois directement, Rabbi Yehuda Oser. La Gemara explique, il veut dire Afilo Rabbi Yehuda She Oser Gerbe Mamzer. En réalité, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que jusqu'à maintenant on n'a pris qu'un guer, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Un converti, il a le droit de se marier avec une bâtarde. D'accord, ça on l'avait évoqué. En réalité, il y a sur ça Rabbi Yehuda qui interdit le converti avec la bâtarde. D'accord, parce que le bâtard, il ne se marie qu'avec des bâtards. Il ne se marie que les mamzerim, c'est que entre eux. Malgré tout, sur ça, Rabbi Yehuda il nous dit bien, même si Rabbi Yehuda il interdit avec les convertis classiques, mais les convertis qui viennent des peuples interdits, que Amon, Moab, que de toute façon, une fois qu'ils se convertissent, ils n'ont pas le droit de se marier, d'intégrer le peuple d'Israël complètement, eh bien, sache que par contre, ceux-là, ils auront le droit de se marier avec les Mamzerim, d'accord? C'est le Barthénois qui explique ça comme ça. Et on va passer maintenant sur une précision super importante. Jusqu'à maintenant, on avait appris qu'un Mamzer, un bâtard, il peut se marier avec, bien sûr, un converti, ou avec un Mamzer. On avait même appris aussi qu'il peut se marier avec un Safek Mamzer. Je vous fais une petite introduction avant de lire la Mishnah pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer. En réalité, imaginez qu'on a deux personnes, un homme et une femme, Réhouven, qui est un Mamzer, il est né de relations interdites, et on a une fille, Sarah, qui est née d'un Safek relation interdite. On a un doute, est-ce que c'est une Mamzer ou pas? On ne sait pas. La Mishnah, la première Mishnah du chapitre, elle nous avait appris que Réhouven, il peut se marier avec Sarah. Lui, il est Mamzer, elle est Safek Mamzer. Un Mamzer peut se marier avec un Safek Mamzer.
D'accord? Ben, il y a un petit problème technique. Parce que quand on est safek mamzer, c'est-à-dire soit on est mamzer, soit on est tout à fait normal. Comment cette personne a pu se marier avec un vrai mamzer? Peut-être qu'en réalité, il n'est pas mamzer, et qu'il va se marier avec un mamzer, et qu'il trouve ça sans interdit de la Torah. Comment, dans le doute, tu peux permettre à un mamzer de se marier avec quelqu'un qui est un mamzer douteux? En réalité, les gens qui ont un doute, est-ce qu'ils ont mamzer, c'est une grande galère. Ils ont, les pauvres, ils ont d'un côté, ils n'ont pas le privilège d'être des bons juifs cachers, mais d'un autre côté, ils ont en plus de ça, la situation embarrassante de ne même pas pouvoir être un vrai mamzer pour se marier avec un mamzer. Mais pire que ça, même de doute, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Parce que peut-être qu'en réalité, lui, il est réellement mamzer et lui, il n'est pas du tout mamzer. Ça, ça va être l'avis de Rabbi Eliezer. Le premier avis de la Mishnah qui nous dit qu'ils pouvaient se marier entre eux, parce qu'il pense que quand la Torah nous a dit « Loya mamzer, loya rubika l'Hachem », c'est un mamzer vadaï qui ne peut pas se marier avec un Keal Hashem vadaï, avec un vrai juif de bonne souche. Mais à partir du moment où il y a un doute dans la souche, il n'y a plus d'interdit. La Torah l'a presque interdit. C'est une svara. La logique de ça, c'est que la Torah, en fait, elle a voulu que le Keren Israël, le beau verger d'Israël, qui est propre, de famille propre, on veille à ce qu'il soit parfaitement propre. Mais dès que de toute façon, il y a des situations douteuses, c'est fini, t'es exclu, de toute façon, t'es plus dans le coup. Donc, marie-toi avec qui tu veux, on s'en moque. C'est le principe. Ça, c'est le premier avis. Mais Rabbi Eliezer, il nous dit non. Rabbi Eliezer, il pense si c'est pas un vrai mamzer, c'est un safek mamzer, il peut pas se marier avec un mamzer, il peut même pas se marier avec un safek mamzer. Parce que peut-être qu'en réalité, lui, il n'est pas mamzer, l'autre est mamzer, au contraire, ils peuvent pas se marier ensemble. Et même dans le doute, ils peuvent pas se marier. Regardez, Rabbi Eliezer, il nous dit comme ça. Rabbi Eliezer, Omer, Vada'an bevada'an, un mamzer avec un vrai mamzer. Un vadaï vadaï. Un vrai avec un vrai. Sans doute. Alors, moutard, ils ont le droit sur l'ensemble. Par contre, Vada'an besfekam, un douteux avec un sûr, ouais, quelque chose de vadaï, quelque chose de sûr, un certain avec un incertain. Un mamzer avec une mamzerette incertaine. Ou sfekam bavadan. Ou bien un incertain avec une certaine mamzerette. Ou bien même ou sfekan besfekan, ou bien même un doute avec un doute. Shtuki beshtukit. Les pauvres, on les a ramassés de la rue. Ou un soufi parasou avec un soufi, on les a ramassés de la rue. Ils étaient ensemble, ensuite on les a mis au Beth Yetomim, ou dans la maison des jeunes, je ne sais pas, pour les élever, et ben, ils ne peuvent même pas se marier entre eux. Assour, ils ne peuvent pas se marier parce que c'est un doute. Est-ce qu'on ne va pas avoir un cachet qui va se marier avec un interdit? Maintenant, quand tu me parles de Safek, c'est quoi? Ve'eloen Asfekot. C'est quoi les Sfekot que tu évoques depuis tout à l'heure là? Ça implique en réalité Shtuki, Asoufi, Ekouti. Shtuki, c'est ce qu'on a évoqué. Celui qui connaît sa mère, mais que sa mère fait taire parce qu'elle ne sait pas qui est le père. Asoufi, c'est quelqu'un qu'on a ramassé de la rue qui était abandonné. Et Kouti, c'est un nouveau qu'on n'a pas encore évoqué. Un Kouti, c'est raconter, les gens de Kouta, ça raconté à la fin du livre de Menachim, un peuple qui s'est converti sans vraiment devenir des vrais juifs. Il y a un grand, c'est tout, il y a tout un, on parle longuement d'eux dans la Gemara. Combien est-ce qu'ils sont réellement juifs? Est-ce qu'ils sont guéris émettes? Est-ce qu'ils ne sont pas guéris émettes? Mais la plus grande galère, vous savez, c'est un peu le même problème qu'ils ont soulevé avec aussi toutes sortes de peuples qu'ensuite ils ont. On a deux peuples qu'on a ramenés en supposant qu'ils étaient juifs, avec certains groupes d'Éthiopiens, pas tous, je ne connais pas les détails, dans les costumes, ça parle des moments, tout ça. Que quelque part, dans la vie, il vaut mieux être un vrai goy qui se convertit qu'un juif problématique. Parce que quand on est juif problématique, on va retrouver maintenant, imaginez, on va retrouver une peuplade d'Inde qui prétendent être des juifs, mais qui ont perdu un petit peu la transmission comme il faut, avec les misodes comme il faut. C'est bien plus compliqué que d'avoir un vrai peuple de goy qui va vouloir devenir juif. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui étaient safek juifs, dans ce cas-là, quand ils se sont mariés, ils sont peut-être mariés, mais quand ils ont eu divorcé, ils n'ont peut-être pas donné de guet. Ils ne se sont pas donné de guet, la femme elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Il s'avère que maintenant, tous les enfants qui vont naître, c'est devenu des mamzerim, parce qu'en réalité, elle est restée mariée avec le premier. Et donc en fait, c'est ce qui se passe, le problème avec les koutis, c'est rapporté ici dans le Parthenora, que c'est aussi des doutes. Pourquoi c'est des doutes? Parce qu'on sait qu'il y a 500 ans, ce peuple-là, il a voulu intégrer le peuple d'Israël, mais de manière tordue, en devenant maintenant en supposant qu'ils étaient des vrais juifs, mais qui n'ont pas été méticuleux dans la Torah. Donc ils sont mariés, très bien, ils ont divorcé, très mal, parce que le divorce n'a pas marché. Et puis après, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ils ont des enfants de Mamzerim. Et du coup, ils vivent tous en peuple comme ça, allez savoir si au bout de 5 générations, on n'a pas tout le monde qui s'est marié avec tout le monde. En fait, on a des super Mamzerim et Oudarim. Et du coup, on ne peut pas se marier avec eux. Écoutez, c'est des safek, d'accord?
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.